Ding dong, qui est là? Eh oui, c'est nous. MTV Cribs Collection est de retour. Et on est sur la liste d'invités pour visiter les plus incroyables maisons au bord de l'eau. Notre passe VIP nous permettra d'entrer partout. Et nous rencontrerons des propriétaires déjantés. Vous serez toujours bienvenus chez nous. Vous voyez? De la simple baignoire extérieure installée au bord de la plage à l'île privée de 30 hectares au beau milieu des Caraïbes, nous visiterons les plus magnifiques maisons que vous ayez jamais vues. Alors détendez-vous, prenez un truc à boire. Et surtout, profitez de notre tournée des plus incroyables maisons au bord de l'eau. Bienvenue dans MTV Cribs Collection, magnifique maison à la plage. Et aujourd'hui, nous visitons de superbes maisons au bord de l'eau. On a déjà vu quelques maisons incroyables. Vous en voulez encore? Alors au suivant! Il s'agit de la chanteuse au succès international, Paulina Rubio. Pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas familiers avec le travail de Paulina, elle a commencé sa carrière dans le groupe d'enfants Timbiriche, avant de laisser ses petits amis pour continuer en solo. En 1992, son album rencontre un immense succès et la propulse sur le podium des artistes latino-américains les plus vendeurs. Elle est née en 1971, elle a un chien adorable qui s'appelle Cookie et elle a été jurée dans les émissions The Voice et X Factor. Rien que ça! Et si ça ne suffit pas à vous rendre jaloux, attendez un peu de voir sa maison à Miami. Vous venez pour MTV? Enfin, je vous attendais. Hola, bonjour, moi c'est Paulina. Et ça, c'est ma nouvelle maison. Bienvenue. Alors ici, on se trouve dans l'atrium. C'est l'endroit de la maison où l'on fait la fête et où on joue de la musique aussi, parfois. La plupart de nos activités se déroulent ici. Vous n'imaginez pas le temps qu'on passe dans cette pièce. Comme vous pouvez le voir, tout est connecté. Toutes les pièces de la maison, comme la cuisine et la salle à manger. Et j'adore ce pouf! J'adore m'asseoir ici pour me détendre. Pour bronzer ou pour faire une petite sieste, il est vraiment confortable. À présent, nous entrons dans ma chambre. C'est ici que je me maquille quand je dois aller quelque part, par exemple, aux billboards, aux Grammys, si MTV vient me voir ou d'autres trucs importants. J'adore le fait que je puisse voir l'océan depuis ma chambre. Quand je suis ici, j'arrive à me détendre et je dors vraiment bien. Ce matelas est extrêmement ferme. Parce que j'ai des problèmes de dos, donc j'ai vraiment besoin d'un lit qui soit assez dur et stable pour me permettre de dormir dans une bonne position. Et surtout longtemps, si c'est possible. Il y a une petite terrasse de ce côté. Avec une super douche d'extérieur. Quand je monte ici, je suis capable de voir tout ce qui se passe aux alentours. C'est vraiment sympa. Mes amis viennent me chercher avec leur bateau de temps en temps. J'ai l'impression que je suis le capitaine de la tour quand je suis là-haut. Allez, il est temps de vous montrer le reste de la maison. L'océan est l'un de mes endroits préférés au monde. Du moment que je peux être à côté de l'eau, je suis heureuse. Et j'adore cette piscine parce que c'est un bassin à fond rouge, comme la couleur de la terre. Il fait très chaud ici, donc on peut se baigner tout au long de l'année. Hey! J'aime bien avoir mon bateau pas loin. Comme ça, à chaque fois qu'il y a une horde de paparazzi à ma porte, je peux m'enfuir par derrière en bateau. C'est génial de vivre ici. J'adore cette île. Merci beaucoup d'être venu. Je vous adore. On se revoit bientôt dans une toute nouvelle maison, à Acapulco peut-être. D'accord ?